Salut à tous, c'est Asphax, on se retrouve pour le sixième épisode de l'aventure Minecraft Survie en mode vampire. Lors du dernier épisode, c'était génial, on avait trouvé ce village de vampires qui est super cool parce qu'on peut faire vraiment des échanges très très cool avec eux. Donc là, lui par exemple, il m'échange des cœurs contre des bouteilles de sang, des orchidées contre des émeraudes contre des cœurs, etc. etc. Et surtout, on a trouvé, on a fait exprès, on a fait des tables d'archers, comme ça on a des vampires archers qui nous échangent des bâtons contre des émeraudes. Ça nous permet d'avoir plein d'émeraudes, on gagne de l'XP comme ça, et surtout on peut faire monter de level les métiers des villageois, donc c'est vraiment très cool. Je commence directement, ah ouais, un émeraude, une bouteille de sang, en fait ça vaut pas trop le coup au niveau des échanges, parce que je m'en fiche des bouteilles de sang, par contre au niveau de l'XP c'est pas mal. Bon, donc ouais, je commence directement l'épisode dans le village, parce que je vais récolter plein plein de bois avec ce qui reste de ma hache en fer. On va refaire plein de bâtons, et comme ça on va pouvoir faire plein d'échanges avec eux. Ça va me permettre de monter de level, d'avoir plein de ressources, et surtout j'ai hâte de voir ce qu'ils donnent quand ils vont être maîtres de leur profession, les vampires. Voilà, ma hache va se casser, mais j'ai quasiment un stack entier de bûches, donc ça va me faire pas mal de... Ça va me faire pas mal de bâtons à échanger. Allez, voilà, c'est cassé, hein, on peut pas faire mieux. Hop, 59, des bâtons, pouf. Ah, mais qui m'attaque? Encore une araignée. Nostanfer, on y va, voilà. C'est le jour, qu'est-ce qui se lève là? J'ai quoi en vision nocturne? Oh, non, il fait nuit. Oh, hop, ok. Oh, je peux mettre mon cercueil à la verticale, j'ai pas fait exprès, je sais pas du tout comment j'ai fait par contre. Bon, visiblement il me dit qu'il fait pas jour, d'accord, mais par contre tous les villageois sont partis se coucher, c'est quand même suspect ça. Hein? Bah non, ils sont où? Mes villageois ont disparu. Les chasseurs ont attaqué pendant la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, les voilà, ils sont tous là-bas. Allez, c'est parti pour les échanges. Donc des bâtons, des bâtons, des bâtons, des émeraudes, des émeraudes, des émeraudes. Voilà, merci, super, ok. Je peux encore refaire quelques bâtons. Hop. Voilà. C'est pas énorme, hein. Faut que j'améliore ma hache. Ok. Parfait. Il va monter de level. Qu'est-ce qu'il me propose après? Il me propose des émeraudes contre une arbalète. Non. De la ficelle contre des émeraudes. Ouais. Et les bouteilles de sang, ça XP pas beaucoup. Ça m'embête d'utiliser ça. Les autres. Ça, c'est pas cher, hein. Oh là là. Vas-y, hop, 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 voilà, 45 cœurs, on va voir ce qu'il me propose après. 9 cœurs contre, ben c'est quoi cet échange tout pourri quoi? 3 émeraudes contre 9 cœurs, ok. Ça par contre, une seule émeraude contre une jambière, ouais, bon, bref, allons voir l'expert plutôt, hein. Il est où l'expert? C'est celui qui ressemble à un prêtre, c'est lui. Hop, expert vampire. Donc, bref, ouais. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça me coûte cher, hein. Ça va me coûter vraiment presque tout, mais... Ah mince, il veut plus. Vas-y, retourne, je sais pas où là, mais... Ah bah, c'est l'heure de dormir, d'accord. Ok, bah je vais dormir aussi. Je peux le remettre debout ou pas? Non, je sais pas trop comment j'ai fait tout à l'heure. Tiens, lui, il m'échange un émeraude contre un arc. Je vais lui prendre deux arcs quand j'aurai ma table d'enchantement. Et bah, comme ça, j'aurai des arcs à enchanter, ça pourrait être pas mal. Ok, il retourne au truc de vampire, je vais pouvoir lui refaire un échange, je pense. Ouais, c'est bon. Hop. Ah mince, elle fait pas monter de niveau encore, dis donc. Zut. Est-ce que j'ai moyen de lui faire monter de niveau avec quelque chose? J'achète des bouteilles de sang? Ouais. Hop, hop. Encore. Attends. Attends, je peux... Ah ouais, bon, bah, je les vire, vas-y, c'est pas grave. Vas-y, juste monte de level. Hop. Ah, j'ai trop de bouteilles de sang là, ça va pas. Hop. T'es monté de level, tu proposes quoi maintenant? Ah, cool, les meilleurs. Oh, du sang pur 3 sur 5 et les meilleurs des meilleurs lingots. Ça, c'est très cool. Faudra que j'achète du coup plein de. Mais j'ai plus d'émeraude, mais faudra que j'achète plein de cœurs humains. Ok, bon, bah on peut rentrer à la maison pour l'instant. Vu que j'ai plein de bouteilles de sang et du coup que je les utilise pas trop, je remplis mon réceptacle. Ça va me permettre de charger Nostanfer pour qu'elle tape un peu plus fort. Donc, ce sera très bien. Hop, voilà, ça. Ok, Nostanfer, vas-y, charge. Est-ce que j'ai des cannes à sucre de près? Pas beaucoup. Mais en effet, c'est vrai que j'ai pas mis de torche autour de mes cannes à sucre, donc ça doit pas aider. On va mettre des torches pour que ça pousse quand même la nuit, parce que sinon, je vais pas avoir très vite toutes mes cannes à sucre. Je vais me refaire une hache en fer. Je sais pas si j'ai moyen de l'enchanter un tout petit peu, genre d'un level, juste pour qu'elle soit genre plus efficace ou un peu plus solide. Je vais regarder.
Parce que je dois tellement couper de bâtons, moi. Hop. Solidité 2, ouais, c'est pas mal, hein. Allez, vas-y, je prends. Bon, voilà, elle est pas efficace, mais au moins, je vais pouvoir couper plein d'arbres avec. Bon, après, ce serait bien à un moment donné que je me fasse un spawner. Donc, on avait essayé le spawner à chasseur de vampires. Vous m'avez dit dans les commentaires, à très juste titre, sinon, mets des dalles ouvertes, enfin des trappes ouvertes, et du coup, ils vont pop dessus, ils vont tomber. C'est vrai que c'est pas mal. Après, de toute façon, moi, ça va être pour l'XP. Et donc, du coup, pour l'XP, j'ai besoin que ce soit un vrai spawner à zombies ou squelettes, parce que les chasseurs, va y en avoir juste 2 ou 3, ce sera pas énorme. Donc pour le spawner, c'est pas très pratique, hein, mais ce que je peux faire dans les grottes, c'est quand je suis vraiment dans une zone où il y a des monstres, c'est de faire ça, d'utiliser ma vision un peu pour voir s'il n'y a pas genre plein de zombies ou plein de squelettes au même endroit, ce qui pourrait dire qu'il y a un spawner. Là, visiblement, non, il n'y en a pas. Je me ramasse du coup vite fait du fer et de l'or parce que j'ai vraiment pas grand-chose dans ma maison pour l'instant, donc je préfère prendre pour pas avoir de problème. Et puis voilà, de temps en temps, une petite vision comme ça. Là, j'arrive à voir à travers. Il n'y a pas l'air d'avoir de spawner. C'est dangereux parce que je pourrais tomber n'importe où. Par contre, avec cette vision, puis alors là, on n'y voit plus rien. Remettons la vision normale. D'accord. Je peux grimper par là. D'accord. Bah, j'ai absolument pas besoin de la vision nocturne. J'en ai un ici et c'est zombie. Ok. Ça aurait été mieux squelette, mais c'est déjà pas mal. Et c'est quasiment juste en dessous de chez moi. Donc, on va pas s'embêter. Mettre des torches, à quoi ça sert? De toute façon, les ennemis ne m'attaquent pas. Ça, c'est quand même extraordinaire. Bon, c'est un mauvais réflexe, mais voilà, j'ai absolument pas besoin. Et bah, c'est très cool. Et bah, je pourrais peut-être faire un escalier qui mène directement jusque là. Allez, c'est parti. Je vais mettre du temps à monter, mais franchement, vu les coordonnées, je me demande si je vais pas presque tomber dans ma crypte, hein. On est vraiment juste en dessous parce que je suis juste descendu en bas pour voir avec ma vision nocturne et au final, je suis tombé là-dessus. Donc, y a pas eu de soucis, j'ai même pas eu besoin de m'éloigner, donc ça, c'est quand même vachement cool. Vu que j'ai les coordonnées, je vais viser ma maison. Moi, ma maison, elle est en moins 2000, moins 3284. Donc là, je pense que je suis dans la bonne direction. Ah non, je m'éloigne, zut. Je m'éloigne de ma maison par là. Et si je vais par là, est-ce que je m'en rapproche ou pas? Attendez, je vais regarder. Non. Et par là, est-ce que je m'en approche? Non, en fait, ma maison, elle est par là, ma maison. Donc, faudrait. Sinon, je vais faire un escalier en colimaçon. Je vais faire comme ça. Voilà. Et après, je vais remonter dans l'autre sens. Hop, c'est pas grave. Et après, moins 1123, est-ce que je suis dans la bonne direction? Oui. Ok, bah c'est parfait. Par contre, pourquoi il me suit comme ça, lui? Eh oh, dis donc. Oh, un lingot de fer, merci. Voilà. Ok, je suis presque arrivé à la surface. Je pense que je tombe. Si je tombe pas dans ma maison, je tombe vraiment juste à côté. Ça va jouer à une dizaine de blocs, hein. Donc bon, faut que je vois si je tombe chez moi ou est-ce que c'est pour pas que ça gêne. Mais c'est trop cool. Ah, j'espère que je me suis pas trompé. Tiens, voilà où j'arrive. Est-ce que ça gêne ici? Ça gêne pas tant que ça. J'ai qu'à faire ici une entrée pour ma mine. Trop bien. Et ben voilà, on va pas s'embêter longtemps maintenant avec ça. Hein. Ça va être trop bien. Voilà, j'ai mis quelques escaliers, comme ça, voilà. Ça gêne pas la table d'enchantement. Maintenant, on peut passer par ici. Et on arrive directement au spawner à zombies qu'il va falloir que j'aménage. Ok, il va falloir dormir un peu. Par contre, il va falloir aussi agrandir la salle des coffres. Ici, j'ai pas assez de place. Ça me convient pas. Donc, on va devoir changer la disposition des coffres. Voilà, pour la salle des coffres. J'ai un peu mieux rangé, un peu mieux trié. Ici, les objets et les blocs de construction. Faudra sûrement que je refasse un autre coffre. Ici, armes, armures, munitions. Ici, les trucs précieux. Ici, les trucs du mode. Et ici, j'ai déjà un coffre de rab pour plus tard. Donc ça, c'est bien. Pendant ce temps-là, j'ai quasi toutes les cannes à sucre qui ont poussé. Le temps que je faisais ma salle des coffres, ça, c'est très bien. Je vais peut-être pouvoir finir mes bibliothèques. Ce serait parfait. C'est un miracle, je peux faire 2 bibliothèques de plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manque plus que 2. Toujours pas une fortune? Toujours pas de fortune. Ok, je me refais une séance où je recoupe plein d'arbres pour pouvoir avoir plein de bâtons, hein, histoire de faire plein d'échanges avec le villageois et peut-être le faire passer maître de sa profession, ce serait génial. Ok, on retourne dans le village des villageois. J'ai plein de planches à faire et donc plein de bâtons. Ok, vas-y. Allez. Bon, il est pas encore, il va pas être encore maître de sa profession parce que mine de rien, il faut quand même beaucoup de bâtons. Mais c'est déjà pas mal. Vas-y, encore des bâtons. Super.
Ça va me faire vraiment un bon stock d'émeraudes, je pense. On pourra faire des échanges avec les autres après, derrière. Ça va être parfait. Ensuite, encore des planches de chêne. Encore des bâtons. On m'a dit que je pouvais appuyer sur espace après. Tac. Ouais, d'accord, je vois. Ouais, c'est pas mal ça. Ok, très bien. On va refaire des bâtons avec les acajounes. Hein, et puis, on va aller voir un autre fléchier si lui ne veut pas me refaire d'échange. T'en veux plus? T'en veux plus. Alors t'es pas monté de niveau? Non, t'es pas monté de niveau, d'accord. L'autre est là-bas. Hop. Pareil. Tac, tac. Donc là, je suis à combien? 22, 32 émeraudes. Ouais, c'est pas mal. Hop, ok. Ok, il en veut plus. Tu veux pas retaper sur ton truc pour m'en redonner? Est-ce qu'il monte de level? Ouais, compagnon aussi. Ah, cool. Il est remonté de level. Je peux refaire quelques bâtons. Pas beaucoup, mais ça devrait être pas mal déjà. Ok, ça va me refaire 4 émeraudes de plus. Tac, tac. Ouais, je mets moins de temps à cliquer ici qu'à appuyer sur espace. Bon, alors lui, derrière, j'ai pas trop le choix que de lui prendre sur tout ça, là. À mon avis, c'est le plus intéressant. Sans pur, 3 sur 5, je peux peut-être en prendre un. Mais ce qu'il faut déjà, c'est que j'ai un maximum de cœur d'humain. Donc c'est parti. Ok, c'est pas mal. Et alors, ça sert à quoi le blood? Ça me fait. C'est pour me faire les armes, hein, je crois. Hein. Ah, je peux faire du sang. Ok. Sang pur. Ah ouais, c'est dur à avoir ça, d'accord. Et après, ça me sert à faire quoi? Le perceur de cœur. Alors, j'ai quoi? J'ai amélioré. Amélioré, c'est quoi la différence à celui-là? C'est celui-là que j'ai du coup, en fait, moi. Moi, j'ai un perceur de cœur. Ou sinon, ça peut faire un chercheur de cœur. Ah ouais, plus rapide. Ou perceur de cœur. Ah ouais, attends, moi, j'ai quoi, moi? Nostanfer, c'est un. Bah, je sais plus trop maintenant. Mais je crois que c'était un perceur de cœur. Bon, vas-y. Donne-moi. Combien j'en prends? 5? 1, 2. Attends, c'est tout? Eh, radin. Hop. Voilà. Voilà, j'en prends 5. Comme ça, je suis pas mal. Et il faudrait que je lui fasse encore plus d'échanges à lui pour qu'il passe maître. À mon avis, il va m'échanger du sang pur à 4 sur 5. Ce serait pas mal. Oh, par contre, ça vaut le coup. Ça réduit qu'un 2 émeraudes au lieu de 3 pour 9 cœurs d'humain. C'est pas mal, hein. Pour l'instant, je stocke tout ça chez moi. Bon, la moitié des cœurs d'humains. Oh, les cœurs d'humains, je peux les garder sur moi. Et puis après, dès que c'est possible, je vais me faire une épée la même que celle-ci. Comme ça, je pourrais les fusionner entre elles et essayer peut-être d'avoir du butin. Tout ça dessus, ce serait pas mal. Ah, mais j'en ai là des cannes à sucre cool. Je suis en train d'attendre pour pouvoir refaire des bibliothèques. Mince, hop là. Il fait jour. Une petite crème solaire, ça fait toujours du bien. Hop. Bon, on va quand même rentrer dormir, hein. Je fais de nouveau deux bibliothèques, il me manque plus que trois. En attendant, je vais aller aménager le spawner à zombies, comme ça ce sera fait. Un entonnoir, ok, une dalle, je dois en avoir là-dedans, je suppose. Voilà, dalle, ok, c'est pas mal. J'ai mes quatre seaux, il faut que j'aille les remplir d'eau, et puis on va pouvoir aller s'occuper de ça. Déjà, ça va me permettre de passer niveau 30. Hop! L'aménagement du spawner, ça devrait être assez rapide parce que les monstres vont pas m'attaquer. D'habitude, c'est ça qui nous embête, c'est que les monstres nous attaquent pendant ce temps-là. Mais là, bon, bah, il n'y a pas de risque puisque je suis un vampire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, on fait un carré de 9 fois 9. Je descends de 6 blocs. Et puis voilà, après, je mets mes 4 seaux avec de l'eau pour que tout arrive au même point et que tout tombe dans le même trou. Pour une raison que j'ignore, les zombies m'attaquent. En tout cas, là, j'en ai attaqué un. Donc là, c'est normal que tous m'attaquent. Mais au début, j'en ai un qui m'a attaqué juste. Est-ce que j'étais trop proche de lui? Je sais pas trop. Hop, voilà, j'espère qu'ils vont se calmer parce que sinon ça va être un peu galère. Je vais mettre déjà la dalle au-dessus d'eux. Déjà, ça va éviter qu'ils pop sur le spawner et qu'ils restent coincés dessus. Ah, c'est pas la bonne pioche, je suis trop lent. Bon, ils m'attaquent plus, j'ai dû donner un coup de pioche sans faire exprès tout à l'heure à un zombie. Bon, c'est un peu long parce que vu que c'est les roches noires, elles sont un peu longues à casser là, j'ai pas efficacité 5. Et surtout, j'ai de plus en plus de zombies qui me gênent potentiellement. J'essaie de pas les taper pour pas qu'ils se disent tous, tiens, on va tous attaquer Asphax d'un coup. Mais à mon avis, voilà, ça va finir par arriver. Pourtant, j'ai l'impression vraiment de ne pas les avoir touchés. Doucement, 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 les gars. Stop, je suis un vampire. Oh, tout ce qu'ils mettent. Oh, je vais pas mourir là quand même. Au pire, je vais pouvoir ressusciter. Mais je vais pas mourir face à 10 000 zombies. Je suis un maître vampire. Bon, au moins, j'ai pris de l'XP. Ok, petite régène, voilà. C'est bon, on est calmé là, les gars? On est calmé, bien, on est copains. Ok, j'ai fini de creuser, donc normalement,
de l'eau. Hop, j'en mets à chaque coin et tout le monde va se retrouver au même endroit, hein, normalement, si tout se passe bien. Ah, j'ai trop de trucs, vas-y, on vire tout ça. Voilà, on devrait tous se retrouver au même point. Pardon, messieurs, là, en fait, vous êtes... Vous me gênez! Bon, ça suffit, sinon je donne des coups d'épée, moi. Non, pas des coups d'épée, Asphax. On est des gentils zombies. Oui, c'est faux, vous êtes des méchants. Regardez, je ne peux même pas poser mon seau. Ok, je le pose quand même. Voilà, boum. Ok, tout le monde se retrouve ici dans le monde merveilleux des zombies. Et du coup, là, je peux les attaquer. Ils vont avoir du mal à m'atteindre. Hein. Allez, je vais peut-être passer niveau 30 juste comme ça. Nouveau spawner à zombies. Eh ben, j'ai du mal à les tuer quand même, hein, dis donc. Il va falloir que je mette châtiment et affilage sur mon épée, parce que sinon, je vais être un peu embêté. Bon, voilà, je suis en train d'aménager mon petit couloir d'échappatoire. Donc là, les zombies arrivent ici. J'ai mis, du coup, une dalle, un entonnoir. Et après, tout tombe dans ce coffre que je ne peux pas ouvrir pour l'instant. Voilà, maintenant, je peux l'ouvrir. Voilà. Donc, par contre, il faut que j'arrive à rejoindre mon escalier. Je dirais qu'il faut que j'aille encore un peu plus par là. Voilà. Et là, il faut que j'arrive à rejoindre mon escalier. Ça va être un peu du hasard parce que je sais pas trop où est-ce qu'il est. Il doit être par là, à gauche, mais je sais pas où exactement. Et même si j'ai une vision nocturne ou quoi, je vois pas à travers les murs mon escalier, donc ça va être un peu du hasard. Il est pas là? Non, il est pas là. Bon, je vais le trouver. Je pense qu'il va falloir que je me fasse des échelles pour remonter, parce que je suis vachement plus bas que mon escalier de toute façon. Donc je vais pas le retrouver comme ça. On va se mettre là. Hop, on va faire des bâtons et des échelles. On a l'habitude de faire des bâtons maintenant. 12 échelles, ça peut-être pas être suffisant. On va voir. On va essayer de grimper genre ici. Hop. Il faut au moins que je grimpe de 6. Au moins de 6-7 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et après, vu que mon escalier monte, ce qui est logique, il faut que je grimpe encore. Ah bah cool, j'ai trouvé l'extérieur de la grotte. Du coup, je vais pouvoir peut-être savoir où est mon escalier comme ça. Alors, le spawner est là. Et bah, ça se trouve, c'est par là, mon escalier. Le voilà. Donc ici, je peux reboucher, par contre. Hop, voilà. Et est-ce qu'il me reste encore? Non. Hop, c'est ici. Voilà. Hop, celui-là, je vais l'enlever. Allez, Dan, tu veux pas? Si, ça y est. Voilà. Et comme ça, je peux grimper comme ça. Et non, il m'en manque encore. Bon voilà, en tout cas le spawner est fini, maintenant ça va être bien pour passer niveau 30, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, et puis je peux réaccéder à ma base très facilement. Donc voilà, il va falloir absolument que j'améliore mes épées. Donc, niveau 28, messieurs les zombies, combien d'XP me donnez-vous? Allez, plein d'XP s'il vous plaît, merci, merci. Oh, à votre bon cœur. Je pourrais peut-être me mettre moi un peu plus haut pour les taper, pour être plus proche de l'XP. Là, je peux pas, je peux faire ça. Hop, hop. Voilà, là je suis vraiment au plus proche. Je les tape avec un cœur, ça marche pas ça. Voilà. Allez, on se retrouve au niveau 33. C'est long, dis donc, hein, mon épée sans affilage, waouh. Tiens, ce serait bien qu'après je fasse un prêtre dans le village des vampires, comme ça je pourrais prendre toute la chair putrifiée que j'ai en tuant les zombies, puis potentiellement je pourrais avoir des émeraudes supplémentaires, ce serait cool. Bon bah j'ai arrêté pile le level 30 parce que c'est trop long, dis donc. Bon alors qu'est-ce qu'on me propose sur ma pioche en diamant? Efficacité 3. Ah mais oui, je suis toujours pas full bibliothèque moi, zut. Bon par contre depuis le temps, ouais voilà. Depuis le temps tout a poussé, là ça devrait être pas mal. J'ai peut-être manqué un petit peu de cuir, enfin j'aille en chercher vite fait sur des vaches, mais sinon je pense que je peux finir mes bibliothèques. On va voir ça. Hop, je vais me prendre le bois aussi. C'est bon, j'ai toutes les bibliothèques, donc on me propose efficacité 4. Alors moi j'aimerais surtout de la fortune, mais je vais pas trop avoir le choix. Juste, je vais essayer de me faire du coup ma nouvelle épée, on va voir ce que ça donne. Alors, il me faut les nouveaux lingots. Mon épée, ça doit être celle-ci. Alors il y a chercheur de cœur, 8205. Il y a le perceur de cœur, 9203. D'accord, mais il y avait encore mieux du coup, non? Il n'y avait pas un truc du genre, il n'y avait pas ça? Hop, tac, 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 non, bah, je croyais qu'il y avait mieux que ça, attendez, je regarde, hein. Blood, ah si, il y a ça, ah ouais, un perceur de cœur amélioré, d'accord, faut d'abord que je fasse le perceur de cœur, faut que je fasse le premier truc,
Ah ouais, et qu'après j'améliore tout, j'ai l'impression. Oh, c'est pas facile. Alors attendez, je vais faire le premier truc. Ah mais ce qui est dommage, c'est que je sais pas ce que j'ai moi. Ça ressemble pas à ça, mon épée elle est plus épaisse. Ah, elle ressemble à ça, le perceur de cœur. Je pense que c'est ça. Ok. Et à mon avis, enfin ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Est-ce que je peux, hop, tranche en quatre, c'est pas mal, mais je préférais de l'affilage. Et est-ce que après le perceur de cœur, je peux encore l'améliorer, c'est ça? Non? Blood, blood, 9-2, 3-2. Ah non, c'est déjà ce que j'ai, perceur de cœur. Il n'y a pas de différence entre ça et ça. 9-2-0-3. 9-2-0-3. Non, c'est le même. Bon, vas-y, on y va pour tranche en 4 et on prie pour avoir de l'affilage ou du butin en plus. Oh non, nul! Bon, celle-là, du coup, je vais la désenchanter. Hop. Et du coup, elle est plus entraînée, celle-là. Elle va taper tout doucement. Zut. Ok. Bon, et de toute façon, c'est pas grave parce que les zombies, je les attaque tout doucement. Butin 2. Ah, c'est pas mal ça. Ok, et là, efficacité 3. Et ben, butin 2, c'est pas mal, hein, perceur de cœur. Ah ouais, mais il faut surtout que j'améliore ma pioche, moi. Attendez, je vais essayer d'améliorer ma pioche jusqu'à la fortune. Hop, efficacité 1. On désenchante. Toucher de soi, surtout pas. Ok, on désenchante. Hop. Ensuite. Solidité 3, nul, ok. Ça, on désenchante, je vais perdre plein de level, mais c'est pas grave, je vais les regagner avec les zombies après. Allez, la fortune! Efficacité 5, bah ouais, ça c'est bien, mais il me faudrait de la fortune avec l'efficacité, donc c'est pas bon. Ok, ensuite. Oh, nul, nul, nul. Hop, ok. Même, franchement, même fortune 2, j'accepte, hein, c'est déjà ça. Ah, fortune 2, cool. Parfait, je suffisait de demander. Ok, bon, alors on va prendre de l'XP. Donc voilà, je tape vraiment tout doucement, donc il faut attendre qu'il y ait plein de zombies et après je leur tape dedans, hein, sinon c'est pas la peine. Par contre, après, une fois qu'ils vont mourir, ça devrait normalement améliorer la vitesse de mon épée là. Ouais, entraîné à 9% pour l'instant, voilà. Oh, c'est trop lent, c'est horrible. Allez! C'est pour l'entraînement. Ah, on voit que c'est plus rapide déjà. De 9. On est déjà à 29% d'amélioration d'entraînement. Ah, c'est mieux là. C'est mieux. Encore. Encore. Bam. Bon, le Geomax max a amélioré à 94%. Je sais pas comment on fait pour aller plus. Parce que l'autre ciel à 94%. Ah non, 100%, n'ose-t'en faire. Ok. Ben, en tout cas, j'y suis presque. 11-6. Ouais, c'est pas mal. Hein, 11-7 d'attaque. Voilà, c'est bon pour le level 30. Je tue juste un peu. Là, il y a plein de petits bébés zombies que j'arrive pas trop à atteindre des fois qui se cumulent. Je peux donc enfin avoir ma pioche fortune 2. Est-ce que ça me donne quelque chose d'autre? Efficacité 4, c'est super. Du coup, je vais désenchanter celle-là. Hop, j'aurais peut-être dû faire une nouvelle pioche quand même. Est-ce qu'on me donne. Faudrait une. Ah, une autre Effi 5, c'est pas mal. Mais le mieux serait une autre fortune 2, évidemment. Ok, sinon lui. Affilage 3, oui, bien. Ah, ben, mais je suis pas niveau 30. Bah, je vais le faire tout de suite. Voilà, ça prend un peu de temps, mais au moins après, j'ai vraiment une superbe épée. Affilage 3, on me donne vraiment pas plus que ce qu'il faut, hein. Et là, toucher de soi, pas de fortune pour l'instant. Ok, donc, si on fusionne les deux, c'est bon, ça marche? Oui, là ça coûte 14, là ça coûte 6. Et donc, j'ai affilage 3, tranche en 4, donc là, les zombies, je vais les découper. Ça va être très très bien. Ok, bon, bah il faudrait juste après, ouais, encore une autre pioche fortune. Mais là, c'est long, je pense que je vais aller miner sans ça. Ah ouais, mais j'ai pas solidité. Bon, je refais encore une fois. Allez, si, allez, on y va. On fait les choses bien comme ça, après, je touche plus à la table d'enchantement. Hop, tant pis, je fais ça. Je désenchante jusqu'à ce qu'on. Oh, fortune 2, voilà, c'est bon. Je vais faire une nouvelle pioche toute neuve. Celle-ci, elle est un peu trop cassée. Hop, 1, 2, 3. Hop, voilà. Je monte une dernière fois level 30 et après, du coup, on arrête là. Enfin, on arrête là pour la table d'enchantement. Je vous montre quand même la puissance de l'épée. Donc là, il y a plein de zombies. Boum! 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 Voilà, trois coups. C'est pas un châtiment non plus, mais bon, ça reste quand même pas mal. Et voilà, fortune 2. Ce serait bien, par contre, ce serait de la solidité que j'ai pas. Oh! Parfait. Et donc, solidité 3, fortune 3, efficacité 4. Donc, j'ai une superbe arme, une super pioche. Enfin, on est tranquille. Et pour l'instant, je n'XP plus pour l'instant.
Bien, maintenant qu'on a la fortune, l'efficacité, tout ce qu'on veut, on peut miner à fond. Et là, ça va être beaucoup plus facile pour faire nos rituels d'enchantement. On va pouvoir monter le niveau beaucoup plus simplement. On va pouvoir faire tous les piliers, tout ça. Ça va être trop cool. Faut juste trouver les bonnes grottes. Mais voilà. Ça, là, maintenant, ça va être enfin facile. Jusque-là, on a un peu galéré. Mais là, ça va être facile. Tiens, un méchant zombie. Enfin, un méchant vampire. Cultist Crown. Viens, donne-moi ton bouquin pour que je j'XP facilement après. Ok, bon, c'était pas un bouquin, mais c'est bien. Merci. Ok, plein d'or, ça c'est super cool. Voilà, bah du diamant, j'en ai quasiment plus, du coup, va falloir que j'en retrouve, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je suis déjà à 21 d'or, c'est pas mal. Là, je suis au mineshaft, ok. Ça se trouve, il y a des coffres sympas dans le mineshaft, j'ai pas regardé encore, hein. Je préfère aller miner à l'extérieur pour l'instant. Je suis sûr de trouver du fer au moins, du fer. Oh là, il y a plein de fer. Du fer de l'or, c'est parfait. Hop là! Alors j'ai plein de fer, mais si je veux monter de level, voilà, c'est de l'or qu'il va me falloir. Après, je pourrais aller dans le biome Mesa aussi, hein, pour récupérer plein d'or aussi. Enfin, je m'embête. Je m'embête pas, tiens, j'ai de la chance. Ici, il y en a quand même pas mal de l'or, mais voilà, si je vais dans le biome Mesa, je vais avoir. Oh, trop bien! Bon, bah, je retire ce que j'ai dit. Là, j'ai plein, plein d'or. C'est super cool. Voilà, j'ai le stack d'or. Et ça pourrait être pas mal, à mon avis. Je vais pouvoir monter de level dès que je remonte. Bon, est-ce qu'il y a du diamant ici? Waouh, pas mal! Je suis déjà allé dans cette cavité ou pas? Elle me dit rien. Elle est vraiment grande. Par contre, il n'y a plus de monstres, hein. Oui, bah les monstres, excusez-nous, on n'a pas voulu les coder, on les a enlevés. Bon, bah écoutez, ce que vous faites comme vous voulez. Hop, allez, donnez-moi de l'or. Ah, des monstres. Tiens, il y a même du diamant. Oh, il y a plein de diamants. Enfin, il y a plein de diamants. Il y a au moins deux petits filons. Ok, ici et là-bas. En plus, il y a de l'or à côté. Parfait. Tiens, bah j'ai trouvé un autre spawner, mais alors à araignée celui-là. Donc celui-là, évidemment, il l'intéresse pas parce que les araignées m'attaquent en plus. Du fer, en voilà. Du charbon, ok. De quoi faire pousser mes arbres. Ici, encore des étiquettes, des ficelles. Bon, les chairs putréfiées, je les prends, mais vraiment, je vais en avoir plein de toute façon avec mon spawner. Et je crois que j'arrive un peu au bout de ma mine là. Je fais un peu plus de fourneau pour faire cuire tout ce que j'ai parce que mine de rien, j'ai pas mal de trucs là. Donc hop, voilà. Ça ici, et puis là, hop, du fer, voilà. Bon alors, pour mes structures, faut que je refasse des piliers de l'autel. Je voudrais en faire 6. Évidemment, je peux en faire que 5. Ah non. Ah non, c'est bon. Hop, voilà. Donc les piliers, c'est bon. Et faut que j'arrive à faire les chapeaux, je sais plus comment on fait. Je me demande si c'est pas avec un bloc de fer. Hop, on va regarder. Chapeau de l'hôtel, si, le voilà, ok. Ben, je peux en refaire un encore. Parfait, bloc de fer. Et chapeau de l'hôtel. Voilà, nickel. Et on va commencer à aller installer ça. Alors, faut mettre ça autour, mais je sais pas trop comment. Oups, je crame. Je sais pas si ça marche si je mets ça ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, ça, voilà. Et il faut que je mette maintenant bah, des blocs d'or. Donc là, il faut que mon or arrive. J'en ai combien? 12. Hop. Bloc d'or 3. Vas-y. Alors je sais plus combien de structures il faut. Avant, c'était 17. Je me demande là si c'est pas le double. Donc de toute façon, ça va faire beaucoup. Ça me dit quoi? Il manque un sang pur 2 pour ce rituel. C'est peut-être bon hein, ce que j'ai. Alors on va essayer. Un sang pur 2. J'en ai un. Normalement. Sang pur, sang pur, ils sont où mes sang pur? Pourquoi je les vois pas? Je suis complètement. Ils sont là. Sang pur 2, j'en ai 5 même. C'est pas mal. Voyons voir. Sang pur. Mince, j'ai pas pris le bouquin aussi. Ok. Il manque 10 cœurs humains. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Plus, je vais prendre le bouquin. Et ce sera bon. Je me demande si je vais pas pouvoir prendre deux levels d'un coup comme la dernière fois. On va voir. Bouquin. Paf. Ok, c'est bon. Alors à quoi ressemble le rituel? On m'a demandé de regarder ça comme ça, voir un peu ce que ça donne. Allez, petit zombie, tu vas. Vampire, le sang arrive sur toi. Oui, la puissance est présente. C'est pas mal ça, dis donc. Hop. Waouh, waouh, pas mal, pas mal. Ok, niveau 8. Et alors ma question est, est-ce que je peux enchaîner directement à notre level 2? Il manque un sang pur, il va manquer 10. Voilà, il va manquer le sang pur et il va manquer ça. Paf! C'est bon? Go! Et voilà, je remonte de level, trop cool!
Et voilà, niveau 9. Allez, on prend les levels. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux prendre? Ici, attaque boost. Ah ouais, c'est bien ça, attaque boost. Permanent attaque boost, permanent jump boost. Attaque boost. Ok. Et maintenant, j'ai le choix entre soit ça va être plus rapide quand j'ai la résurrection, soit mon temps où je suis justement en résurrection, où je suis tout nul, c'est plus petit. Alors, on va faire la résurrection plus rapide. Et là, il me manque un level, c'est téléporter. J'aimerais bien savoir ce que c'est téléporter. Là, je pense que je peux. Il me refaut des structures, c'est ça? Non, je peux? Sérieux? Attends. Je peux encore remonter de level ou pas? Ce serait trop bien. Hop, 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 bougez pas, bougez pas. C'est peut-être pas fini, messieurs, dames. Par contre, après, j'aurai plus de bouquins. Il va falloir que je retrouve des bouquins et que je retue des chasseurs. Mais si je peux monter 3 levels en un épisode, c'est extraordinaire. Paf, paf, et paf! Non, la structure est mauvaise. Ok, si je rajoute de l'or, ça le fait ou pas? Si je rajoute de l'or. Hop, si je rajoute les 3 blocs d'or. Est-ce que ça peut être bon ou pas? Hop. Touk, 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 touk. Il manque un sang de pur 3. Ah! Je crois. J'en ai pas eu un quelque part. J'en ai pas acheté un chez mon villageois tout à l'heure. Attendez. Sang de pur 3, ça me dit quelque chose. Sang de pur 2. Ah, je crois qu'il en a le villageois. Ok, il en vend du sang de pur 3, mais il faut que j'attende qu'il me réchange des émeraudes contre des cœurs d'humains pour pouvoir en acheter parce que j'ai pas assez de cœurs d'humains. Ça y est, c'est bon. Hop, cœur d'humain, voilà. Sang de pur 3, voilà, parfait. Et normalement, c'est bon. C'est bon ou pas? 5 cœurs d'humains. Ah oui, c'est 15 cœurs d'humains maintenant. Ok, pas grave, ça c'est faisable. Oh là là, je prends 3 levels en un coup, trop bien! Trop trop bien. Hop! Génial. C'est... Redonnez-moi la puissance. Et voilà. Et du coup, je vais pouvoir me téléporter. Je sais pas comment ça marche, mais ça peut être très 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 cool. Je sais pas, ça doit être sur une petite distance, je suppose, mais on va voir. Ok. Alors dans ce cas, et je suis... Ouais, je suis super armuré. Donc là, je suis quand même à un niveau 10, je crois, hein. Donc skill screen, voyons voir. Donc, téléporter. Ok. Comment ça marche? Ou alors je peux me téléporter au village peut-être directement, ce serait encore presque mieux. Téléporter. Où ça? Attends. Ça m'a téléporté où j'ai visé? Non, c'est pas. Ça a pas l'air génial, non? Si. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça marche? Hop, téléporter. Ok. Je peux faire des petits jumps, quoi. Ouais. C'est pas génial. Mais c'est vraiment genre je suis coincé quelque part, je veux m'enlever, je me téléporte. Je vous avouerai que je suis un petit peu déçu. Bon, par contre, je suis un zombie de niveau 10. Regardez-moi tout le sang que j'ai, la vie que j'ai, l'armure que j'ai. C'est vraiment trop trop cool. Voilà. Bon, eh bien, un épisode où on aura extrêmement bien avancé. Je suis super content. Je pense qu'à partir de maintenant, ça va être encore plus facile. Ça va être super cool. On va pouvoir commencer une autre branche de vampire pour essayer de s'améliorer. Ça va être génial. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Salut!